Cette fois, les reportages de Shiny vous emmènent à la Japan Expo de Paris. Donc, vous avez le programme derrière moi, d'ailleurs. Écoutez, on va essayer de vous faire vivre cette expo le mieux possible. On va se promener dans les couloirs, vous faire un peu découvrir tout ce qui se passe ici pour ceux qui n'ont pas malheureusement la chance de pouvoir venir. Et puis, je suis sûre qu'on va réussir à dénicher 2-3 guests au détour des allées. Donc, on y va, on commence tout de suite. Suivez-moi. Arrivé à la Japan Expo et on est maintenant avec Lynx de Sun. Bonjour. C'est ça, bonjour. Bonjour, merci déjà de nous accorder cette interview pour Shiny Gaming. Alors on a pu voir sur les quelques mètres qu'on a fait qu'on t'arrête un petit peu toutes les 30 secondes pour des photos, dire bonjour, tout ça. Comment est-ce que tu vis un peu cette surtout cette notoriété de YouTuber? Ben c'est sympa. Bon, évidemment dans les salons c'est un peu différent parce que le fait de se faire arrêter tous les 5 mètres c'est un peu pénible, il faut dire ce qu'il y a, parce que du coup on est obligé de refuser les photos, parce que si on en accorde une, on doit en accorder 50 derrière. Mais sinon, en dehors de ça, c'est très sympa. J'adore. Bah oui, forcément, c'est une preuve de reconnaissance. Tout à fait. Alors concernant toutes les émissions que tu proposes, comment te sont venues toutes ces idées d'émissions? Parce que bon, elles sont quand même assez différentes les unes des autres, donc pour avoir autant d'idées, comment ça t'est venu tout ça? Alors le point culture, je me rappelle plus, ça fait, ça fait 6 ou 7 ans, donc oui. Franchement je me rappelle plus comment ça a commencé. Par contre le NMT je m'en souviens très bien, c'est en entendant celui de Colonel Riel à la radio. Au début de la chanson il se plante dans un mot et je me suis dit c'est quand même incroyable que personne n'ait remarqué et que personne n'en rigole. Du coup je me suis dit bon on va rigoler. Du coup tu t'es dit pourquoi pas, et une très chouette émission d'ailleurs. J'ai entendu parler d'une web série que tu serais en train d'écrire. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors j'évite parce que justement quand j'en parle, j'en dis trop. D'accord. Donc voilà, mais elle est toujours en cours d'écriture. Ça sera un mélange de monde fictif. Et voilà, c'est toujours en cours d'écriture. Je suis à l'épisode 9, mais je tiendrai tout le monde au courant en temps et en heure. Okay. Et tu penses faire plus ou moins combien d'épisodes? Est-ce que ça on peut savoir? Alors ça c'est 10 épisodes. 10 épisodes pour la première saison. 10 épisodes pour la première saison. Donc on sait déjà qu'il y en aura une deuxième. Si tout va bien. Alors, dis-moi, si tu ne devais garder qu'une seule de tes émissions, laquelle et pourquoi? Aucune, parce que si je devais en garder une seule, je pourrais pas, ça me ferait chier. Ah oui. Donc voilà, soit je les fais toutes, soit j'en fais pas. D'accord. Alors nous, sur Shiny Gaming, on est quand même fort intéressés par le monde des jeux vidéo, donc on se demandait, Lynx the Sun, s'il était un personnage de jeux vidéo, ce serait lequel? Eh ben ça, c'est pas compliqué du tout comme question. Il faut dire pourquoi après. Hein. Ah putain. La seule réponse qui me vient, elle est con, le professeur Shen, parce que voilà, c'est un professeur et qui parle de Pokémon et que ma vidéo l'a pu regarder, c'est celle sur Pokémon. J'y connais pas grand chose en Pokémon, franchement. Mais enfin, j'y connais pas grand chose. Par rapport à d'autres, c'est qu'ils jouent stratégique, qui connaissent tous les personnages par cœur et tout. Donc voilà, mais le professeur Shen, parce que j'ai absolument aucune autre idée. Alors bon, on va pas te retenir trop longtemps parce qu'on sait que tu es hyper demandé. En plus, pour la petite histoire, il doit prendre une navette, donc on nous a gentiment dit de nous dépêcher. Voilà, c'est pour ça que je me dépêche. Voilà, donc on a décidé de poser une question con aujourd'hui, donc on y va. Allons-y. Si Homer Simpson et Pikachu rencontraient en même temps Lara Croft, lequel rougirait en premier? Ben, je dirais Homer Simpson parce que j'ai dans l'idée que Pikachu, on n'aurait rien à foutre. D'accord, très bien, merci beaucoup. Dernière chose, est-ce qu'on peut un petit peu connaître un petit scoop ou un petit peu tes projets futurs? Ça, j'ai oublié de demander, c'est important. Il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire continuer la NMT, continuer le point culture, et sinon, j'ai rien de croustillant à annoncer en ce moment. Pas de chance. Non. Mais le croustillant, c'est qu'il n'y a rien de croustillant. Exactement. Voilà. Merci, Lynx the Sun, et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour, merci d'abord d'accepter cette interview pour Shiny Gaming. De rien. Alors je voulais te demander, bon, toi on peut dire que tu connais vraiment très bien le monde du jeu vidéo, que ce soit rétro ou nouveau. Ouais. Alors personnellement pour toi, quelle serait ta partie, ton moment préféré dans l'époque préférée dans toute l'histoire du jeu vidéo? Ah, c'est dur. Je pense que c'est comme tous les gamers, la meilleure époque c'est celle où toi t'es adolescent, où tu découvres les jeux vidéo et où vraiment ça devient un truc important dans ta vie. C'est tes meilleurs souvenirs de gamer, souvent partagés avec des potes, etc. Quand t'es ado, c'est le moment où vraiment tu es à fond dans tout ce que tu fais. Donc effectivement, c'est sûr que pour moi, c'est l'époque de l'Amiga, qui était la machine que j'avais à l'époque. On pouvait pas blairer les gens qui avaient des Atari ST, bien sûr, parce que c'est des odieux salopards. Donc il y a toujours eu cette petite guerre qui était rigolote. Donc voilà, personnellement, la meilleure époque pour moi, c'est celle de l'Amiga. Après, chacun a son truc. Il y a des gens qui ont adoré la Dreamcast, qui était une machine fabuleuse. Évidemment, toutes les consoles de Nintendo sont cultes. Voilà, la première PlayStation, c'est fou. La Xbox aussi. Enfin, voilà, c'est impossible de choisir entre tous ces enfants. Du moment que ça amène du plaisir, après, c'est une affaire personnelle. En fonction du moment où tu rentres en contact avec le jeu vidéo, c'est ce qui devient important dans ta vie. Pour moi, ce sera l'Amiga, forever. Merci. Alors, au-delà des vidéos, tu as écrit aussi des livres. Et les deux ouvrages que j'ai d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé sur nos jeux vidéo, je me demandais, est-ce que tu penses peut-être un jour en sortir un troisième? Mais on a fait les années 70-90, les années 90-2000, donc le dernier bouquin s'arrête à la PlayStation 3, qui est déjà pas trop du rétro gaming, hein, on est encore quand même un peu dedans. Mais qui sait dans quelques années? Ah bah bien sûr que dans quelques années, mais dans 20 ans, c'est-à-dire que le prochain ce sera en 2020. Et on parlera de la PlayStation 4 comme étant une console rétro parce qu'on en sera à la PlayStation 6. Donc va falloir un peu de patience. D'ici 20 ans, j'écrirai un nouveau livre sur l'histoire du jeu vidéo. Si je suis encore là pour le raconter, ce sera avec plaisir. J'allais dire, donc rendez-vous est pris dans 20 ans. 2020. En effet. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que nous, on pourrait te souhaiter à toi pour la suite? Qu'est-ce que tu souhaiterais comme projet futur? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Franchement, tu sais, moi, je suis comblé dans ma vie. Je fais déjà ce que j'aime. Je suis payé pour jouer, c'est quand même pas donné à tout le monde. Les gens me suivent depuis des années maintenant, ils viennent me voir sur les salons comme ça, on a le temps de se parler et tout. Je ressens vraiment beaucoup d'affection, d'amour, d'amitié, c'est vraiment c'est super agréable. Donc je pense que je suis au maximum de ce que je peux faire. J'aimerais bien avoir plus de temps dans la vie, pour tout, comme tout le monde je pense. Pouvoir faire encore plus d'émissions, etc. Là j'essaie déjà de faire un maximum d'émissions et c'est déjà beaucoup de boulot et j'ai beaucoup de mal à tout faire dans l'année. Ça a été une année un peu épuisante, j'avais beaucoup de choses à faire. Le truc qui me tient le plus à cœur, j'aimerais bien refaire des rétro Game One. C'est une de mes émissions préférées, ça me tient beaucoup à cœur. Et ça fait 2 ans qu'on n'a pas tourné avec Game One, donc je vais tanner un peu Game One pour qu'on refasse des rétro Game One. Malgré tout le travail que j'ai, je trouverai toujours du temps pour un petit rétro Game One en plus. Il faudrait des journées de 48 heures pour Marcus en fait. Ouais, 72 même, ce serait pas de refus, ouais. Alors, Shiny Gaming, nous, on est quand même à fond dans le jeu vidéo, donc on se demandait si Marcus était un personnage de jeu vidéo, ce serait lequel? Un petit gros avec une salopette et une moustache, sans doute. Je ne vois pas du tout de qui tu parles. Je sais pas. Un perso de jeu vidéo qui j'aimerais être, genre Nathan Drake, il est beau gosse, tu vois. L'autre Marcus de Gears of War avec des muscles partout. Non, ça, c'est pas trop mon truc. Moi, mes persos préférés, c'est plutôt Conker, le vilain écureuil alcoolique et tout ça. J'aimerais bien être Conker dans la vie, ouais, ça me ferait plaisir. Allez, et alors dernière chose, on s'est dit qu'on allait poser aujourd'hui une question con. Donc voilà, donc on se disait, pour toi, qui de Mario ou Donkey Kong sauterait le plus haut s'ils faisaient un concours ensemble? Mario est quand même grassouillet, hein, donc forcément, voilà. Après Donkey Kong est plus lourd, donc faudrait voir. Côté aérodynamisme, quand même, Donkey Kong est à poil avec juste une cravate. Donc on peut se dire que son coefficient de pénétration dans l'air est quand même plus important que celui de Mario, donc je vote pour Donkey Kong. Mais j'aime beaucoup cette question. Ah, merci. Marcus, merci beaucoup et j'espère un jour te retrouver encore sur un salon, pourquoi pas. On se croisera. Merci. Puis, voir, oui, on venez le voir, il est vraiment très sympa. Merci. Merci beaucoup.
brave tous les dangers pour essayer de vous proposer un reportage le plus facile. Au secours, au secours. On se retrouve maintenant avec les noobs, en tout cas une partie. Bonjour tout le monde. Bonjour. Coucou. Alors ma première question, ce serait comment vous expliquer que vous connaissez depuis peu un tel succès? Depuis peu, en fait, ça fait quand même 6 ans. Oui, mais... Et je pense qu'on s'inscrit justement sur la durée. C'est plutôt ça, moi, que je trouve étonnant, en fait. C'est que je me dis justement que les gens, maintenant, zappent, passent à autre chose. Oui. Et bien, malgré tout, ça fait 6 ans. Et là, les gens sont toujours là. À Japan Expo, le stand ne désemplit pas. Ah non, depuis 4 jours, enfin depuis 3 jours, ça n'arrête pas. Et c'est vrai que je pense aussi que notre présence régulière en salon explique que bah justement on continue à avoir une part de succès et c'est important et nous on s'éclate en salon donc c'est parfait quoi, c'est génial. Et la continuité comme ça dont vous parlez expliquerait aussi que vous ayez eu un succès colossal sur Ulule par exemple? Tout à fait, c'est en grande partie grâce à notre présence en festival comme ça et au fait qu'on soit toujours proche du public qu'on a réussi à avoir le record européen du crowdfunding. Record européen quand même. Toujours. Bravo. Toujours. Invaincu encore pour l'instant. Au moment. Alors, je vais un peu par là maintenant. Le premier film est sorti donc il n'y a pas très longtemps. Quel est votre ressenti après avoir tourné ce premier film? Ça a beaucoup plus tourné que moi, je pense que tu devrais y répondre. Le ressenti, c'est que c'était vraiment différent de la série puisqu'on était sur des sessions de tournage beaucoup plus longues. Est-ce que tu peux te taire toi là-bas qui chante? Merci. Voilà. Je vais m'occuper de cette fois. C'est vrai que d'habitude on chante uniquement... On tourne uniquement sur une journée, là on partait sur des sessions de 10-15 jours, on était tous ensemble du matin au soir, on savait pas comment ça allait se passer, si on allait finir par s'étriper, mais ça s'est très bien passé, c'était fun et on était vachement productifs, donc c'était vraiment intéressant à faire. T'as aussi eu l'occasion de tourner d'autres personnages que celui de Barthélemius? Ah oui, c'est vrai qu'on a tous des nouveaux rôles dans les films, on a tous nos re-rolls en noob dégueu. On joue tous un autre personnage, puisque dans le jeu vidéo, les skins se ressemblent, donc il peut y avoir un autre personnage qui a à peu près la même tête. Et c'est vrai que moi, j'ai un nouveau personnage totalement dégueulasse qui apparaît au début du film 2, et j'espère que les gens vont bien l'apprécier. Ah, donc on nous a déjà donné un petit scoop, c'est bien, ouais. Sur le film 2. Je me tourne 2 secondes vers Gaïa. Est-ce que dans la vie, elle est aussi sympathique que dans la série, notre chère Gaïa? Est-ce que tu penses que c'est à moi de faire l'autocritique? Oui, c'est vrai, je ne sais pas qui veut répondre. Qui veut répondre? Est-ce que j'ai demandé si Gaïa dans la vraie vie, donc IRL, est aussi sympa que dans la série. Non, elle est abominable, moi c'est très difficile. C'est encore pire. On m'a demandé à chaque fois, mais pourquoi t'es parti en Angleterre? Mais je ne la supportais plus, c'était radical. On a Rodo qui est parti en Chine, Tenshiro au Japon. Moi j'ai fait plus court, je suis allé en Angleterre, j'avais moins de budget. Mais c'est insupportable de vivre au quotidien avec cette femme. C'est à cause d'elle. L'argent, là on dirait pas comme ça, on dit oui le film noob. Pourquoi il y a 700 000 euros? Écoutez... C'est dans les caisses de Gaïa, c'est ça. C'est dans les joues de Gaïa. C'est des loups boutins. C'est n'importe quoi. Hein. Non, mais ça se passe bien dans l'équipe, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est important. Non, mais tu remarqueras que Fabien n'est pas avec nous parce qu'en fait, il est dans un espace plus loin où il pleure de dépit, hein, de savoir qu'il travaille avec des imbéciles. Mais bon. Bonjour Fabien. Alors, nous. Chez Shiny Gaming, on est quand même à la base fort intéressé par le jeu vidéo. Donc on se demandait, on va faire un petit tour vite fait, quel personnage seriez-vous chacun si vous deviez être un personnage de jeu vidéo? Grande question. Réfléchissez déjà par là. Ah tiens, pour rester dans le druidique, on va dire Malfurion dans World of Warcraft. Lara Croft. Ah oui, ça te va super bien. T'as déjà le physique en plus. Pour ma part, ce serait Laguna de FF8. Alors pour moi c'est difficile, j'aurais un perso qui ne me ressemble pas, mais moi si je voulais en être un, ce serait Léon Kennedy de Resident Evil, il a une vie très riche cet homme. D'accord. Alors je sais vraiment pas quoi répondre. Je passe et je reviens après. Ouais. Moi je serais la barre dans Tetris. Ah oui, super. Comme ça. Écoutez moi j'ai eu un énorme coup de cœur récemment, Gérald de Rive, clairement Gérald de Rive dans The Witcher. Quoi. Alors il manque plus que toi. Mais en fait, je joue très très peu aux jeux vidéo, donc... Elle serait le chien dans Duck Hunt. D'accord, ça va. Bon, on peut prendre ça. Et alors, dernière chose, parce qu'on a encore des questions, mais on va en garder pour l'équipe de demain, parce qu'il paraît qu'on peut avoir l'autre partie demain, c'est très gentil. On a eu envie de poser une question con aujourd'hui dans notre émission. Donc on s'est dit, d'après vous, entre Kirby... et Pac-Man, lequel aurait le plus gros appétit?
Ça cogite, ça cogite. Pac-Man aussi. Hein. Je dirais Pac-Man. Ouais. Parce que... c'est plus en plus, lui, il grossit pas. Ouais. Il a pas besoin de... Pac-Man. Oui, je dirais Pac-Man parce que Kirby est boulimique. Il mange et il recrache derrière. Ouais. C'est pour... Alors j'allais dire Kirby pour cette raison-là parce que justement il recrache et peut remanger. Mais c'est pas manger quand tu recraches la boulimie, c'est pas bien. Non. Bon, eh bien c'est et en plus il a un anneau gastrique donc Pac-Man donc c'est Ouais, donc ça va pas aller. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. On va pas vous prendre plus longtemps parce que vous êtes très demandé. Et ben qui sait, peut-être un jour on se recroisera dans un festival puisque vous l'avez avec tous. Grand plaisir. Merci beaucoup. Tester en exclusivité pour Shiny Gaming le nouveau Skylanders sur Wii U. Donc je vais essayer et je vous donne mes impressions tout de suite après. Tester le nouveau Skylanders avec notamment le personnage de Bowser et de Donkey Kong. Ben, jeu très sympa, on retrouve évidemment l'univers de Skylanders en gros. Les graphismes sont vraiment très chouettes. Moi, si j'ai un petit bémol, c'est que les personnages, quand ils sont pas dans leur voiture, ils sont quand même assez lents en marchant, je trouve. Mais bon, au-delà de ça, je crois qu'il y a moyen de passer de belles parties là-dessus. Et je pense que ça va de nouveau être la course aux figurines pour tous les collectionneurs qui auront envie d'avoir toutes les figurines et les véhicules ce coup-ci. Enfin voilà, affaire à suivre au mois de septembre. C'est maintenant le nouveau Zelda Triforce qu'on a la grande chance de pouvoir tester encore en exclusivité pour Shiny Gaming avec deux personnes qui sont là, qui vont m'accompagner parce que comme c'est un jeu, en coopération à trois, eh bien on va vous faire découvrir ça tout de suite, on y va. L'occasion de tester Zelda Triforce, très chouette jeu, gameplay très sympa. Bon, maintenant il faut bien réussir à se coordonner à trois parce que c'est pas toujours facile. Et pour une première prise en main, tu confonds parfois un peu les touches, mais sinon, globalement, très bon jeu qui, à mon avis, promet de belles aventures en coop et aura une belle histoire devant lui. Mais regardez qui on a trouvé au détour d'une allée sur le stand Retro Gaming, c'est Mamoki. Salut. Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver les amis, j'espère que vous allez bien. Mais oui, on l'espère aussi. Et Bobby effectivement. Il est toujours avec. La contenable.
Mamoki, brièvement, comment t'as trouvé cette Japan Expo 2015 ? Ah bah écoute, c'est la première fois que je viens le dimanche par rapport à une Japan Expo et sincèrement, je pense revenir le dimanche, c'est plus sympa, c'est plus convivial. Il y a un petit peu moins de monde, donc ce qui fait qu'on peut mieux circuler et justement, c'est plus simple pour rencontrer les abonnés. Et franchement, je valide la Japan Expo 2015. Et donc, t'as eu l'occasion de rencontrer quelques fans, j'ai entendu. Ouais, ouais, une trentaine d'abonnés, ça m'a fait super plaisir de les voir. J'ai même croisé Benzaï qui m'a fait un petit clin d'œil, donc petite dédicace à Benzaï. Mais, et j'ai aussi eu la chance de vous croiser, donc c'est merveilleux, c'est formidable. L'équipe de Shiny Gaming, c'est le mieux à voir, moi je effectivement. Trouve. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas qu'on nous ait pas déjà proposé une table pour faire des dédicaces. Je ne comprends pas. Bah, qui sait, peut-être en 2016, fois, voilà. Peut-être en 2007. Mais j'espère surtout que toi, on te retrouvera en 2016. Ah, l'avenir nous le dira, on verra bien. Moi, j'essaie de continuer mon petit bonhomme de chemin, on verra bien. De toute façon, on se retrouvera, j'espère, de toute façon, à la convention gameplay déjà, l'année prochaine. Oui, déjà, normalement, on devrait être côte à côte, il ne devrait pas y avoir de soucis. Quoi. Oui. En tout cas, si un jour tu te retrouves ici, nous voulons l'exclusivité de l'interview. Hein. J'ai bien noté, je réserve. C'est le point de ma tête, il n'y a pas ça de va. Problème. Super, eh bien, à bientôt alors, Mamoki. À bientôt, merci. Bonne fin de journée, salut. Merci. Salut. Voici maintenant avec le chef Otaku. Bonjour chef. Bonjour. Merci déjà d'avoir accepté de nous revoir une deuxième fois puisqu'on s'était effectivement vu à la Medinasia à Bruxelles. Alors cette Medinasia, depuis, comment ça se passe pour vous ? Bah, ça se passe bien, on a plein d'abonnés en plus et c'est chouette. Ça c'est très chouette. Et le petit chef n'est pas avec nous là aujourd'hui, il se balade apparemment un petit peu quelque part, mais on avait pu voir que niveau interview c'était pas top top top. Est-ce qu'il s'est entraîné depuis ? Non. Ah, donc c'est toujours aussi catastrophique. D'accord. Alors, dis-nous, par rapport au menu manga, est-ce qu'il y a encore des mangas qui vous tiendraient vraiment à cœur et dont vous pensez que vous avez vraiment, vraiment envie de parler ? Ouais, il y a Okuto no Ken, j'ai pas encore parlé. Comme je suis un gros fan, il faudrait que j'en parle un jour. C'est dans les projets ou pas spécialement ? Si, c'est en projet, mais on sait pas quand. Voilà, c'est tout. On sait pas encore quand. Non. Niveau projet futur, hormis le menu manga, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez en préparation ou bien vous restez concentré là-dessus ? Là, je prépare une BD avec un collègue dessinateur, Jigito. Ça, c'est chouette. Et elle va parler de vous ou de toute autre chose ? Non, non, ça sera une BD complètement créée de base avec des personnages créés. Une BD originale, quoi. BD made in Chef Otaku, ça va être beau, ça. Et sinon, nous, on a eu envie de poser aujourd'hui à tous les invités une question con. D'accord. Donc, la question con du jour, c'est entre Sangoku et Naruto, pour toi, pour vous, chef, lequel des deux gagnerait sur une partie de Beyblade ? Une partie de ? Beyblade. Sangoku, je pense. Et pourquoi ? Bah, il a plus de force. Ah oui. Donc, je pense que tu peux bouger les objets avec son esprit. Donc je pense qu'il gagnerait. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite chef et petit chef qui n'est pas là, mais qu'on peut lui souhaiter quand même ? Beaucoup d'argent. D'accord. S'il vous plaît. Est-ce voilà. qu'il y a un projet Ulule qui est en cours ou pas du tout ? Non. Alors il faudra peut-être le lancer si vous voulez beaucoup d'argent. Non, non, ça va venir tout seul. Ah bah oui, bah oui. Eh bien chef, merci beaucoup et j'espère à une prochaine fois. Pas de problème. Merci. Alors comme promis hier, on a la deuxième partie de l'équipe des Noobs avec nous aujourd'hui. Donc déjà bonjour à tous les garçons. Bonjour à toi. Salut. J'ai l'impression qu'on se répète. Bonjour. Alors déjà merci d'avoir accepté cette rapide interview. La première chose que j'avais envie de vous demander, c'est maintenant que le premier film est sorti. On l'a demandé déjà à l'équipe d'hier, mais je veux votre avis aussi, votre ressenti à tous par rapport à ce premier film récent. Ben, je pense que toute l'équipe a été contente, que ce soit aussi bien sur le rendu que dont ça s'est déroulé, sur la nouvelle façon de bosser, le nouveau matos, le nouveau stuff. Donc je pense que c'est une bonne première expérience qui en plus a été profitable à la deuxième qui du coup, à mon avis, a encore gagné en qualité. Ah oui. Voilà. Quelque chose à
Oui, moi, grâce à ce premier film, je suis exonéré de blanc pendant 45 ans. Merci beaucoup. Exonéré de quoi ? De blanc. Je n'ai plus à me rapporter de blanc, plus jamais. D'accord. Si vous avez vu le premier film, vous saurez pourquoi. D'accord. Alors, lui, il peut. Lui, ça va, il peut. Bon. C'est n'importe quoi, j'adore. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu savoir quand vous pensez que le 2 et le 3 pousseront Alors, en fait, le 2, beaucoup. Ça va arriver très, très, très vite, assez vite. Puisqu'en fait, Fabien a décidé de couper le deuxième film en épisodes qui seront diffusés une fois par mois. Donc voilà, vous aurez un épisode de 8 à 10 minutes qui, à l'arrivée, formera le film en lui-même, puisque le film est conçu comme un film. Il sera simplement coupé en épisodes pour ne pas que les gens attendent trop longtemps. En fait, c'est des tâches du film. Donc du coup, voilà, on a décidé à partir de septembre de diffuser un épisode par mois. D'accord. Alors malheureusement, pour ceux qui n'ont pas pu venir à la Japan Expo cette année, ils n'ont pas eu la grande chance d'assister à la conférence que vous avez tenue hier. Est-ce qu'il y a un petit scoop ou deux qu'on pourrait donner aujourd'hui, que vous avez dit hier évidemment, mais qu'on pourrait partager pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir y assister ? Quelqu'un ? Au niveau des éditions Voilà, en fait, le gros de l'actualité, bon, outre le nouveau format de diffusion du film 2 qui a été évoqué par Fred, il y a énormément de nouveautés dans la branche Olydri Édition avec l'arrivée du manga Golem, scénarisé par Fred et Amandine, l'arrivée de Neo Gestia 2, la confirmation de Neo Gestia en projet bande dessinée avec Philippe Cardona et Florence Torta à la baguette, et aussi également le manga Noob qui sera dessiné par Diane, donc qu'on n'a pas encore présenté à notre public mais qu'on le fera bientôt. Donc voilà, c'est surtout du côté d'édition qu'il y avait des annonces. Ah oui, et aussi le retour de Warzone Project. Ah, j'allais le demander où voilà. On était. Warzone Project saison 2, donc on a diffusé un petit teasing, mais bon voilà, c'est officiel, ça reviendra. Et aussi le retour, mais bon, ça avait jamais trop disparu, c'est juste qu'il était moins dense, mais le retour de, enfin, la confirmation que le blog de Gaïa va continuer et on en sortira un nouveau dès la rentrée. Voilà. Bon, alors, il y a encore quelqu'un qui est passé devant, c'est pas grave, hein, mais bon. C'est le charme, oui. C'est bien, voilà, merci. D'accord. Alors, j'ai entendu dire que vous avez distribué ici sur le salon, on pouvait acheter la BD Noob avec une couverture spécialement pour le salon. Tout à fait. Alors, pour... qu'est-ce qu'il fait ? Il faut lui briser une jambe à ce monsieur, s'il vous plaît, Tenshiro. Ça rend l'interview beaucoup plus vivant. Oui, mais pas de soucis. Alors, pourquoi avoir fait le choix, justement, de proposer une couverture exclusive ici à la Japan Expo ? Alors, en fait, c'est une proposition qui a été faite par le dessinateur, par Philippe Cardona, qui était en plein dans le trip Avenger et qui a proposé ça à Fabien en disant « Est-ce que ça te branche qu'on en fasse une Avenger ?» Et Fabien a eu la bonne idée de dire oui, il a fait une compo de malade. Et c'est vrai qu'elle est très très jolie, cette couverture. Et alors, petite anecdote à savoir, c'est si vous faites très attention sur cette couverture, Fabien est en tout petit en Ant-Man sur la tête de Thor Arteon. Et parce qu'au début, en fait, tout simplement, Philippe avait oublié qu'il y avait Fabien dans la guilde Noob à ce moment-là. Et donc il a été rajouté au dernier moment. Voilà, un peu d'exclu, un peu de croustillant. Ah oui, c'est très bien, on aime bien ça. Après, voilà, on est vraiment à 2000, il y a tout le monde qui est fan de Avenger 2. C'est... Ah ouais, mais... Bon, moi après, voilà, j'aurais préféré avoir un autre personnage que Black Widow, mais bon, je m'y plie, hein, y a pas de problème. Non, on a tous été fans du film, donc c'est avec plaisir qu'on a accueilli sur Vancouver. Mais après, il faut savoir que c'est chaque année, on essaie de proposer une couverture alternative pour la Japan Expo, mais là, du coup, elle était d'actualité et super thématique, quoi. Et pour ceux qui n'ont pas su la voir, est-ce que peut-être un jour elle sera disponible au grand public ou pas du tout ? Le principe d'une offre exclusive, c'est qu'elle soit exclusive. Non, je pense que peut-être l'année prochaine, s'il en reste, il y en aura. Mais là, non, dans l'immédiat, on va respecter le fait que des gens ont fait l'effort de se déplacer pour l'avoir en priorité. Alors nous, chez Shiny Gaming, à la base, on s'intéresse beaucoup au monde du jeu vidéo. Donc on avait envie de vous demander à chacun, si vous étiez un personnage de jeu vidéo, qui ce serait et pourquoi ? Alors, je vais faire un tour. Hein. Dante de Devil May Cry. Et pourquoi ? Parce qu'il est trop classe, qu'il est trop fort. D'accord. Ou, tiens, le Labor de Pat Labor. D'accord. Solid Snake. Ou Metal Gear. Tu le sens très fort. Ah, parce que j'adore ce jeu. Metal Gear Solid. Bah ouais, moi, c'est très gentil. Putain, quel compliment. Moi, j'ai du mal à me décider, mais je pense à... Hein ? Ouais, Bowser. Allez, Bowser de Mario, ouais, ce serait pas mal. Richter Belmonto. Parce que c'est dans
Je vais aller pleurer. C'est dans Castlevania. C'est dans Castlevania. Voilà, parce que il a la classe. Je cherche le stand Nintendo. Je connais pas. Il est où le stand Nintendo? Si tu étais un personnage de jeu vidéo, qui serais-tu? Oui, parce que en Shiny Gaming, nous, on s'intéresse au monde du jeu vidéo, donc on a demandé à chacun s'il était un personnage de jeu vidéo, lequel il serait et pourquoi. Kirby. Ah oui. Ronflex. Ok, alors si c'est le spécial de la vanne pourrie là, alors j'arrête tout de suite, ok? Alors, je sais pas, Link, hein, voilà. Kratos. Ah, parfait. Oui, c'est très bien. Kratos. Et alors, pour terminer, parce que bon, ils sont fort demandés, donc on va les laisser. Je ne sais pas. D'accord. Il est là-bas. Mais... Pour terminer, donc on a décidé de poser une question con à tout le monde et on va vous poser C'était pas avant ? Non, c'était pas avant. Et on va vous poser la même qu'à l'autre équipe, comme ça on verra ce que vous direz. Alors nous, on a décidé de demander entre Pac-Man et Kirby, lequel pour vous aurait le plus gros appétit ? Kirby, parce que il est rose. Et donc c'est pour ça qu'il a un gros appétit ? Bah oui. Ah bah oui, tout à fait. Kirby, bien entendu. Pac-Man, il bouffe que des fantômes du vide, là, et des packs gommes de merde, là. Ça le droguait, va. T'es énervé. Tu va. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Merci. Allez, au revoir. Bien voilà, la Japan Expo de Paris 2015, c'est maintenant terminé. Donc j'espère qu'à travers notre reportage, vous aurez pu découvrir un peu plus cette convention et peut-être vous donner envie d'y venir l'année prochaine. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié et on espère vraiment qu'en 2016, on sera présent aussi. Qui sait, peut-être avec d'autres guests encore à interviewer. En tout cas, on l'espère très fort. Et je terminerai juste en disant un merci tout spécial à Marine qui se reconnaîtra. Merci à tous, salut tout le monde et à tout bientôt.